Ah, tout droit, c'est bon. Là. Ah, il faut qu'il a pas de silencieux sur son CM249. C'est pas moi, là. Allez, on débarque. Et non, j'ai pas de silencieux. On couvre tous les azimuts. Ok, Alpha. La couverture sur le rocher là. Alpha prêt. Ok, tu pars en contournant de la falaise par la droite là. Ok, bien pris, on a commencé le mouvement. Bravo, tu laisses 100 mètres. Ok. Donc Froggy en premier, moi en second. Vous voulez que je répète l'ordre ou c'est bon? Ah, c'est bon, troisième moi et quatrième Mystery. S'il faut engager discrètement et que vous prenez l'initiative, oubliez pas de faire feu avec les silencieux mais pas avec les M249. Hein. D'accord. Ok, bien pris. Quand tu les perds de vue, vas-y Valdrid. Hein. Allez, go. On les a perdus depuis un petit moment alors. On y va. Parti. On les entend donc ils doivent pas être bien loin. On va se décaler un peu sur la droite par rapport à eux. Alpha pour commandement. Ouais. On s'est stoppé là pour observer un petit peu la progression. Pas trop loin, Froggy. Ok, on perd pas trop de temps. Le but c'est vraiment d'arriver sur la position est mauvaise. Ok, personne n'a rien vu. Non. Négatif. Ok, Dranax, 340. Quoi les bosquets. On part par là. On va faire sur la droite de la. Dénivelé. Quand tu peux. 340, parti. Ok, ils ont conçu. Alpha, on est reparti. Froggy, tu es prêt à repartir? Ouais. On les suit toujours. Tu les vois ou pas? Légèrement sur ta gauche. Faut voir vite quand même. Ah, ils partent en 340, ouais. Place devant là, ok. Oh, j'ai du flou. Allez Froggy, go. Ouais. Parti. On y va. Ok, je vous suis. Parti un peu devant Mystery. Ok, je suis. Vas-y, Froggy, go. Allez, parti. Parti. Restez debout. Hein. Putain, casse-toi ce buisson de merde. Parti. Ah.
Ah, putain de branche. Putain de branche. Alors, regarde bien droite à gauche, traversant. Et vous vous donnez la main. Ouais. Merde, j'ai perdu Fougueux. À gauche, là. Oh, putain. Alors, t'as pas mis tes lorgnons? Tes lorgnons? J'ai oublié le mot, moi. Tu connais pas les lorgnons? Il y a une patrouille à droite, à gauche, là, 260, en contrebas. Ok. Ah, il y a du monde sur Lima. Pardon, je suis passé devant. Et on continue, on progresse. Si on n'est pas repéré, on continue. Ça arrive féminin. Je crois qu'une femme fait l'amour dans ses buissons. Ok, quand on arrive sur POV 1, Alpha, tu prendras le secteur sud-ouest et Bravo, tu prendras le secteur ouest. Ok, bien pris. J'ai déjà repéré une petite équipe de contact sur Lima et un sniper sur une des cuves à l'ouest. Alors on s'arrête ici. Mais comment je suis passé devant, je comprends pas. Là tu m'as placé. Ouais, bon, un bon visu sur l'ouest, Valdrid. C'est pas fameux là. Pardon chef. Prends un bon visu sur l'ouest, bravo. Et on prend... À gauche. Audio véhicule pour avancer, on a des armes. Il peut off-road. Ouais, je vois. Hop. Je crois qu'il y a un camp en fait. Ouais, c'est un camp. Visuel. Ainsi que Little Bird, ouais, à l'ouest. Au 200, j'ai l'off-road. Hélico. Faire planche, là, non. Avec au moins deux gars. Sur l'ouest, au 200. On a des gars très près au 200. On a un feu si de Bravo, on a un feu de camp à 240. C'est le point kilo. Ouais. Ah bah 310, pardon. Qui a reçu? Alpha pour commandement. Ouais. On a deux sentinelles et un véhicule là au point kilo. Pas très loin. Ouais, t'as aussi tout. T'as aussi des hommes. T'as aussi des hommes sur Lima, hein, fais gaffe. Effectivement, correction, c'était Lima, pas, pas Kilo. Ouais, je me suis planté aussi. Alors, tac. Oh, putain d'arbre, le con. Ouais, c'est peuplé, là. On peut sombre pour enlever les NVG. Little Bird de type civil. Il y a un hélicoptère. Ouais, moi je suis passé sur NVG là, ça va faire que s'améliorer là. Pour l'instant, ouais. C'est pas mal. C'est quoi l'hélico là avec un sniper là? On le chope là. C'est vrai qu'on dirait Little Bird. Ouais, il est pas armé. La patrouille repérée au niveau de Mike continue son chemin. Par contre, sur il est November. Plus sur le camp au nord-ouest. Ah, ok. Ça, attention, ils l'ont vu aussi. Oh shit. Échappe. Il revient à deux. Je le fais deux fois, mais. Mais toi, t'es lunettes. Ok, bon. De l'infanterie statique sud de November. Comment se passe la parcelle de rotation pour nous? J'ai jeté un petit coup d'œil juste derrière. Ouais, genre. À partir de 240, je vois plus rien. Il y a trop de végétation. Patrouille repérée entre papa et Oscar. Boris? Ouais. Vous êtes équipé avec des lunettes ou vous avez que de la run sight avec vous? Il y en a COG. Ok. Négatif à COG. Ah, idem. Parfait. Ouais, on bien. Parfait, parfait. T'as du monde sur Lima, t'as du monde, tu vois le château d'eau là-bas au 220? Ouais, vu. T'as du monde au pied, autour. Et entre papa et Oscar. Effectivement. Au moins deux packs. Là il commence à faire jour, c'est nickel, on va pouvoir commencer peut-être à foutre le bordel. Ce que tu vas faire, Boris, c'est que dans un premier temps, je vais te laisser ici en soutien. Je vais expliquer ça sur la radio. Ok.
Okay. Ok, ce qu'on va faire. Alpha va rester dans un premier temps sur POV 1 en soutien. Le but c'est de nettoyer toute la partie est de la ville en commençant par Lima et en nettoyant vers novembre. Pendant ce temps-là, Bravo va avancer discrètement sur le sud d'Hôtel pour essayer de prendre pied sur les premiers bâtiments Mike, sans engager l'ennemi si possible. Est-ce que ça c'est reçu? Alpha reçu. Bravo, reçu, sud d'Hôtel, ça marche. Ah, c'est planté de radio, Veldhead, c'est pas grave. Une fois que les abords de la ville sont nettoyés, je pense que Alpha va commencer à... Bravo va commencer à partir vers Papa. Alpha, tu rejoindras Mike à ton tour, t'essaieras de descendre sur Novembre, et ensuite de partir sur Oscar. Le but, c'est de se rejoindre sur Papa et Oscar, et de s'attendre là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Patrouille au 220. Ouais, une patrouille entre November et Lima. Bon, vous me dites quand vous êtes prêts. On va devoir engager, nous, ces mecs qui sont là, c'est ça? Ouais, on va devoir engager tout ce qui est dans le secteur sud-ouest. Voilà, par contre, ils sont un peu nombreux. Oh, ça va être le bon. Alpha pour commandement. Ouais, ouais. Il y a une patrouille qui arrive là entre Mike et Kilo, en notre direction. Vas-y Boris, engage. Ok, engagé. Ok, Bravo, tu pars, tu commences okay, à Lima. Partir vers l'ouest. T'arrives, une fois que t'es sur le sud d'Hôtel, tu vas-y. Commences à partir c'est sur les bâtiments, sur Mike, tu prends position sur Mike. Ok, vous voyez plus rien qui bouge. Il y a des gugus qui courent sous le château d'eau. Ouais, sous le château d'eau, c'est ce que je disais, ouais, ça commence à bouger. Ça court. Hésite pas à les fixer, Boris. Ouais, ouais, tu peux engager, ouais. Engage tout ce que tu vois. Vas-y. Si vous voulez d'ailleurs. Maniez-vous, hein, vous rushez sur les bâtiments là, hein. Je vous demande pas de faire la discrétion là. Why not? Oui. Il y a un rocher à notre est là, juste derrière nous. Est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil, voir s'il y a rien qui arrive dans la route? Il y a un sniper. Ouais, oh, je suis touché. Il y a un contact droit. Sniper, reculez, recule sniper, toi. Sniper. Viens vers moi, je suis safe. Je vais te soigner, Il est où le sniper qui a été localisé? Pas. Je regarde sur le minaret, mais il y a rien. Diagnostic. Boris, déporte un homme avec moi sur le nord-ouest, il y a du monde là-bas. Nord-ouest, Dranak, t'es avec lui? Avec Aku. Bras droit, je suis de ça. Je les vois plus, mais ils sont derrière les buissons 315. Un contact traité sur le nord-ouest. Ouais, bon, il est pas seul. Bon, je m'occupe de ton bras. T'as... Ça va, Bravo? T'as pris une légère. Attends, bouche. Je vois du contact, me passe pas devant le. Alors, on arrive au premier bâtiment de Bravo. Ah putain, t'es pile devant moi. Ouais, contact en visuel. Y'a un roulade à gauche, voilà. Ok, y'a un Zodiac aussi nord-ouest. C'est bon, Dranak, lâche, ils sont sur les bâtiments. Ok, lui aussi. Pour Alpha, il y a des contacts au 200 là. Je suis pas 210 à la route à l'est. À quoi qu'il y en a encore au nord-ouest là. Il y a un truc qui me tire dessus depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le voir. Il est prêt. Claque. Ça claque là. Il y a une fumigène qui a craqué là, je sais pas si tu voyais, un peu devant dans ce qu'on venait d'engager. En effet. Je pense que c'est de là que ça vient. Je suis en train de recharger là. Ok, je surveille la zone. Ouais, y'a encore un Gugus, au moins, derrière le fumigène, à droite. Boris, t'as des jumelles? Ouais, j'en ai. Ah, il est où cet enfoiré? Putain, ça claque, j'arrive pas à voir d'où. Ah, y'en a un qui sort à droite, là. À gauche du bâtiment, pardon. Tu l'as eu, il est d'homme. Bravo. Un autre. Il garde, bravo. Même endroit. Ouais. Toujours vivant. Finalement, touché. C'est un petit peu bourré, on est au nord de Papa en fait. Putain, mais il est où le type qui tire là? Me replie. Ok, c'est pas grave, on s'adapte. Tu restes sur Papa, t'essaies de juguler tout ce qui vient du nord, qui est sur la rive et qui peut venir de du nord-ouest aussi. Oui. Touché, je suis touché. Légèrement blessé, ça.
Par rapport à l'hélico, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse comme il est ou on essaie de le traiter? On essaie de le traiter mais sans perdre trop de temps dessus. Nous, nos potes, ils sont plantés, ils sont là-bas à l'ouest, ils sont sur Papa. Ok, ils sont sur Papa. Ah ouais, ils sont partis loin quoi. Ouais, okay. C'est clear jusqu'à Mike? Ouais, ça a l'air clear. C'est bon, c'était léger. Ok, merci. Ça c'est grave. Il y a des mecs à l'entrée, Mike. Entrée, Mike. T'as le temps de mettre une... Ah oui, au niveau du mur là. Il y en a trois. Tu veux un bandage Morphine? Je veux bien une morphine. Morphine. Cap non armé diffusant vers l'ouest, ça part pour notre position. Technico, le 210. 210 armé? Ouais. Oh putain, ça claque. Hein. Défile vers l'ouest ou il est à ton ouest? Ah ouais, vu. Je te souhaite, mais parfait. Attends, je vais faire la morphine. Ouais. Je suis pas blessé là, j'ai juste. T'es en train de lui faire la morphine? Ouais, j'ai fait une morphine. Putain, je peux pas me le faire à. Tout va bien, Dranak? Tout va bien. Boris? Ouais. Va falloir qu'on décroche. Ok, quand tu veux. Engagez pas le technico. Je vais essayer de choper une fumée. On décroche, Boris, viens. On décroche vers le nord, vers l'ouest là. Nord-ouest. Ok, de leader à Bravo Alpha décroche vers le nord-ouest et va essayer de rejoindre la position Mike. Ok, on note. Ça va, parfait. Bien pris. C'est Bravo leader, bateau armé qui se trimballe sur le nord. Ouais, ok, bah si tu peux te faire discret, le bateau il risquera pas de venir sur la terre, donc si on peut le laisser tomber le bateau, c'est nickel. Ok, Alpha c'est reçu, on va sur Mike. Ok, bien pris, on va sur Mike. De leader pour Bravo. Bravo, j'écoute. Si c'est possible, essaie de pousser doucement vers Papa, c'est le carrefour au sud de ta position. Et bien reçu. Prenez pas de risque, hein. Ok, on reste pas là. Ça pue, on continue. Dranak, c'est reparti. Fais un perroquet si t'as besoin. Hein. Ouais. Un audio véhicule là. Y'a l'hélico. Ouais, donc mais j'ai l'impression d'entendre la fraude. Postez-vous en direction du sud. Ah, là, va falloir traverser là. Ouais. Visuel sur allié ouest. Ok, bleu, on va traverser plein sud, bâtiment avec la carcasse de voiture, tu la vois? Ouais, prêt. Ok, on va là-bas, rouge, vous nous appuyez. Bleu, on reste, je veux dire rouge, on reste là, bleu, vous y allez. Ok, c'est parti. C'est là ce que je voulais faire, non, c'est pas grave. Autre. Ok, c'est parti, on a... Parti. Oh. Je peux monter pour avoir un visuel sur l'autre côté, là, dans le bâtiment. À coup, est-ce qu'on va devoir se déplacer ou on prend une position là? On va prendre une position, 30 secondes, place un binôme là-haut. Ok. Wow. Bleu, en bleu, face, sur le toit. Sud, sud. Y'a un mec, attention, y'a un mec à proximité sur l'ouest là, quelques mètres. Plein sud, les gars. C'est sur toi, c'est sur toi. Ok, why not? Traité. Why not mort? Ok, attention, les gars, on a des mecs à proximité. Hein.
Il y a des contacts proches, ils s'est engagé par un mitrailleur qui était juste devant le bâtiment. Ok, je vois. Contact proche sud. C'est fait à volonté hein, là. Ouais. Grenade. Mitrailleur down. Mitrailleur down. Ok, Dramac. On maintient pour l'instant. Ok, bon, c'est parfait, tu essaies de voir ce que tu peux faire de là-haut. Ouais, ça va, je suis pas. Ok, des leaders, bravo. Dramac, bravo, mal, notre là. Leader est décédé. Merde, vous en êtes où? Bravo, statue. Trois hommes en vie. Passe sur le balcon, hein. Je suis carrément sur le balcon. Hein. Qui a reçu, vous êtes où là? Je te dis la position dans deux secondes. Contact. Sur le sud. Neutralisé. Oh putain, bout de rue sud. Ah ça c'est le technical ça. Ouais, il est toujours là, il traîne. Hein. Il est neutralisé, bout de rue en sud. Deux hommes, encore un autre. Un perdu à droite de bout de rue sud. Parfait. Ouais. Le technical, tu l'as vu neutralisé ou pas? Technical, dernière position connue au niveau du sur plage. C'est dos là quoi. Ok, il est toujours pas neutralisé quoi. Négatif. Ok. Putain, c'est quel type de palissade là? J'ai jeté un œil là-haut. T'es là-haut dans ce parfait? Ok. Boris? Ouais. On va avancer dans la rue au sud là. On a une palissade et des maisons de d'un côté, donc on va longer la palissade et couvrir le secteur avant droite. D'accord, direction plein sud vers November? Ouais, ouais, c'est ça. On y va lentement, doucement. Ok. Parfait. Ouais. On redescend. Okay. Donc entendu, Grenade. Ok, deux leaders pour bravo. November, écoute. Plein sud. Ouais, on va prendre plein sud tranquillement. C'est quoi votre statut et votre position? On est dans le bâtiment au nord-ouest de Papa, on a un super visuel sur le camp ennemi. Et on prend pas mal de tirs. Ok, vous êtes toujours 3? Contact 140. Confirmé, on essaie de tenir la position là. Ok, c'est reçu. Nous, on a perdu un homme aussi chez Alpha, chez Bravo, on est chez Alpha. On est 4 avec moi, on va quitter Mike pour aller vers Novembre. Des files en gauche après la maison. Il est down. Et il est à terre. C'est quand tu veux à coup. Vas-y. On y va. Ok, Dramac, tu y vas. On fait un perroquet, hein. Une fois dans la rue, on se remettra en groupe. Donc Sporfel, tu... Contact proche, sur la route. Contact proche à droite, hein. Proche, 50 mètres, au carrefour. Ah merde. Je voulais avoir sur le toit, si tu veux. Vas-y, remonte le toit, ouais. Je peux lancer une greu furtive. Tu penses? Vas-y, essaye. Bouché. Un autre qui est parti sur la droite, il est sur notre 240. Ouais, sur l'ouest. Ouais, c'est parfait, qui est remonté, on va attendre le droit. Merde, je recharge, il est sur l'ouest là, juste derrière le bâtiment. Je l'ai pas eu avec une rafale. C'est parfait, reste là-haut. Ok, Dramac, reste là où t'es. Oh bordel. Il est okay. Mort. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit, c'est bon. Sparfel? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, on descend, bon. On va dans la rue là, faut qu'on bouge. Dramac, okay. Y'a plus rien dans la rue. Couvrez s'il faut. Tir. Ouais, okay, s'il faut au tir de suppression. Je traverse moi? Vas-y. Traverse, ouais. Oh putain. Touché. C'est du sniper. Ah, mais faut pas ramper les gars, faut courir. Ah bah, il a été mis à terre par le tir, je crois. Ah, ouais. Merde. Bon, on va balancer des fumilles au milieu de la route. Le vent il va dans quel sens là-bas? Hop. Vous êtes où Alpha? Alpha avec leader, on est sur Mike, on va essayer de bouger vers Novembre. C'est bon. C'est bon.
bon les soins? C'est bon. Ok, allez, on bouge pendant que tu passes devant. Et je passe dans la brèche dans le mur. Ok, vas-y. Comment ça se passe, Alpha? Bravo, vous arrivez à tenir la position? Ouais, ça s'est calmé. Si vous passez par papa, en fait, on peut vous couvrir jusqu'à ce que vous progressiez. Non, mauvais les gars, dans la rue. Dans la rue. Et on a eu le visuel sur la cible. À droite du mur. Oh putain, il m'a fait peur dans la... Ok, tu peux répéter, j'étais concentré. Il y a goût de si vous venez jusqu'à papa, on a un super visuel sur la route qui va jusqu'à Mike. On peut vous couvrir de notre position jusqu'à ce que vous progressiez au camp. Et tu surveilles, c'est bon. Derrière à droite. Okay, ah, je passe. Ok, freeze Boris. Merci, je freeze. Ok, j'ai un visu sur Bravo là. Ok, Bravo, on va faire comme on avait prévu. On va quand même passer par Novembre et Oscar. Toi, tu vas rester sur papa et tu nous couvriras depuis ta position comme ça. Tu couvriras aussi les axes. Bien reçu, on bouge pas. Ok, on reprend la progression, Boris. Ok, Branax, c'est parti. Traversé. Sportfell aussi. Devant. Dernier homme. Ok. Essaye d'empiler sur le trottoir lui avec sa boutique. Et des taxes. Et le technical, il est toujours en état? Ouais, il est toujours en état a priori. Ok, il faudra se méfier, il doit être sur notre flanc gauche peut-être là. Ouais, il doit pas être très loin. Ok, Sparfell, surveille à gauche, dans la rue à droite. Puis j'ouvre à droite. Alors on va essayer d'avancer directement sur Oscar si c'est possible. Vers à droite. Donc vers l'ouest. Y'en à droite? Y'en à droite. Ok, on prend la progression dans cette rue. Contact arrière sur le est. Neutralisé. On rentre dans la rue, on reste pas là. On continue. Allez, go. Derrière vous. Derrière à gauche. Putain, vous avez tous des ACOG et moi je suis un pauvre avec mon RC. Mon... Ah non, moi j'ai un réflexe aussi. Quelle est grande cette rue. Vas-y, on y va. La claque à gauche. Rien dans ce putain de minaret. Ok, on va traverser la route, Ranac, on va passer de l'autre côté, il y a plus de bâtiments. Traverser. Ok, vas-y. Traverse. Ok. J'arrive. Ok. Oh putain. Continue sur Arnac. Comment il y a les potes? Faites gaffe où vous tirez. Ok, des leaders, bravo. Écoute. On arrive sur Oscar là, attention au tir croisé. Ouais, on vous voit. Le journaliste est dans le bunker central. Il y a un contact étage à gauche là, je crois, si jamais si tu veux, Boris. Il y a quoi? Il y a un étage là. Ouais, vas-y, essaie de monter. Il y a un mec qui nous a down, je peux aller voir. Ah, bon, c'est bon. Bon, il fallait juste le temps, il était sur le toit, c'est bon. C'est bon. Sur la gauche. Boris? Ouais. On va passer par le 330, l'ouverture là. Vu. Arnaque. Quoi le 330? Ouais, ouverture dans le mur. Ok, des leaders, bravo. On va investir la zone par l'est. Tu parles de quel bunker toi? Il est exactement en plein milieu de la cour? Ouais, il est sous énorme bâche et le journaliste est en haut, est au nord-ouest du bunker. Il y a une entrée, on le voit. Ok, c'est reçu. T'as sur nos environs, nous on se concentre sur la zone. Et on n'a pas de visuel sur le sud de la zone.
qu'on est à l'opposé. Ok Boris, tu peux rentrer dedans, tu t'occupes plus trop de tes autres, ton entourage, tu te focus sur le compound là. Ok, bien pris. Parax, parfait, vous couvrez, je traverse. Ok, Alpha regroupé. Je vais rester à l'extérieur. Allez, Dranak, tu passes en tête, hein. CQB. Je vais se faire le sale boulot, les gars. Merci. En train de brèche. Vas-y. Alors, je peux recharger avant ou pas? Vas-y, recharge, recharge. Dranak, pause. Donc, pas de grenade, faites gaffe où vous tirez. Ok, c'est bon, prêt. Pareil, ok, Dranak, on peut rentrer. Nickel, en visuel. Pour Bravo, vous pourrez essayer quelques tirs sur le Little Bird pour essayer de le désinguer. Quoique c'est peut-être pas une bonne idée. Non, laisse tomber, annule. Merci, chef. Regarde à droite, je vais voir à gauche. S'il commence à se vautrer sur notre gueule, on est malin. Et là, c'est clear. Vas-y, on continue à contourner le bunker, on va faire le tour du bunker. Et après on verra pour rentrer dedans. Bien s'assurer que les environs soient propres. Contact. Il est où à peu près? Il était où? Continue à faire le tour. Alpha, si vous butez des personnes qui semblent être des personnes d'intérêt, des leaders ou quoi, essayez de les fouiller quelquefois qu'on trouverait des documents sur eux, au passage. Ok, bien pris. Deux leaders à Bravo. Écoute. C'est comment ton avis sur Roméo? Elle est occupée par des ennemis qui viennent de passer. Répète, vous venez de voir des ennemis? Ouais, un mec qui a cru traverser la route au moment où je parlais. Ok, reçu. Alpha pour commandement, on a fait le tour du bunker, c'est clear, on entre dedans là. Ok, reçu, vous sécurisez l'otage et vous le ramenez sur, sur l'entrée, par où, par là où on est rentré. De Alpha, bunker clear. On sécurise l'otage. Ok, Bravo. Ouais. Commencez à remonter sur Mike, restez au niveau de la rue sur Mike et couvrez les axes pour qu'on commence à dégager le passage. Bravo, en direction de Mike. Pour info, possible technique call encore présent sur le sud-est de la zone. Faites attention, Bravo. Technique call sud-est, bien reçu. Armé ou non? Armé aux dernières nouvelles. Alpha pour leader. Ouais. Otage sécurisé, on a pris des positions défensives, on attend que tu nous donnes un axe de sortie pour évacuer. Axe de sortie est par où on est rentré, on va rejoindre Papa et ensuite Mike. On a déjà Bravo sur Mike normalement bientôt. Ok, donc évacuation par l'est puis au nord. Confirmé, ouais. Ok, bien pris. J'attends ton signal. Vas-y. Vas-y, vas-y, top.
en remords. Ah, c'est Technicol. Ouais, ils sont sur moi. On a repéré le Technicol. Allez, on dégage sur papa. J'ai des grenades, hein, je peux le maîtriser à distance. Le neutraliser à distance. Ouais, mais il y a que le tâche, c'est un peu chaud. Je commence à pas tenir ce boulot, je pense. C'est vachement récupéré. Ok, ça va aller, bravo. Ouais, reste là où t'es, reste là où t'es. Un coup, c'est vachement ouais. Découvert là, pour continuer. Attends, ouais, ok. Il y a le Technicol qui est à la droite. Bordel, bordel, fais chier. Prends pas trop de risques. Mystérie, Zedo, baissez la tête, je le contourne. Il y a deux Technicol, deux. Oh bordel. Bon, pour ça, on est couvert par une rangée de maisons et des murs là. Je peux pas le poser à un endroit drama qui est à prendre ouais, et à te poster. Reste en position, c'est parfait le prêt. On va temporiser. Fais gaffe Froggy, t'en as un qui arrive vers toi. A neutraliser. Ok. Tiens, voilà que l'otage nous donne des ordres maintenant quoi. Faire attention à l'ouest aussi hein. Il y avait des contacts sur l'ouest. C'est pour ça que je regarde vers le nord-ouest là. Putain, mais y'en a pas encore de mort avec tous ces tirs là. Ouais. C'est un miracle hein. Il est sur moi. J'essaye de. À la rigueur, envoie un binôme vers l'est là-bas pour essayer de les assister si tu peux, Boris. Tu me laisses avec un homme et l'otage. Ok, bah je te laisse Dranak. Ok. Ouais, on va y aller avec Sparfel. Vois une maison qui est possiblement atteignable. Bah allez, c'est parti. Ok, pour Bravo. Ouais, alors j'ai une perte et un disparu. Ok, fais attention à vous, on a un binôme qui arrive sur votre position depuis papa. Ok, je suis en train de me faire attaquer par le nord aussi. Merde. Merde. Technicol, armée disparue sur l'est. Oh putain, lui il va nous faire chier. Qui était tout seul, Mystery? Ouais, il y a Froggy, je sais pas où il est. Pick up, pick up. Il était armé sur le sud. Armé, armé, armé. Merde, on a le pick-up qui arrive depuis le sud, depuis uniforme. Ouais, uniforme. Boris, tu me reçois? Oui, je vous reçois. Ok, c'est quoi ta position là? Alors, on est parti jusqu'à Mike, on est en train de descendre vers November, sur les audios de véhicules. Ok, fais gaffe à toi. Mystery, essaie de reboucler avec, avec Boris si tu peux. C'est bien reçu, Technicos, à mon armée. Attention à des contacts qui arrivent de l'ouest et sud-ouest. Ok, pour Boris, Darnak est décédé à côté de moi. Ok, bien pris.
De Alpha pour Bravo. J'écoute. Vous avez la position d'un technical armé à peu près ou pas du tout? J'ai croisé un technical armé champ-tireur, j'ai abattu le pilote. J'ai pas de nouvelles de l'autre technical que j'ai eu, mais c'était peut-être celui-là. Ok, bien pris. Quelle est votre position? Pour moi, on est au sud de November, légèrement au sud de November. Ok, je suis sur vous dans 30 secondes. Ok, les deux Alpha, les deux technicals sont neutralisés. Ok, c'est bien reçu. Regroupez-vous sur November. Vous êtes plus que 3 avec moi. Moi, je suis sur encore l'ancienne position avec l'otage. Je vais essayer de rallier par Oscar. Oscar November, essayez de couvrir cet axe-là. Ok, AQ, on couvre la rue. Tu peux y aller. Allez, viens, mon coco. Qui a reçu, j'arrive, je vais déboucher dans la rue dans pas longtemps. Parce que là, ça peut passer devant. C'est bon. Ok, je suis là. Je regarde un petit coup ma map. Tac, novembre. Derrière toi, c'est parfait, là. Si on part sur Lima, on n'a aucune couverture sur le sud. Hop, 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 hop. On va quand même prendre le risque. On va partir sur Lima en pseudo perroquet, même si on est, vous êtes que 3, je sais. Ça marche? Ok. Orphel, tu recolles? Ouais, je suis là. Ok, je vais passer en tête, du coup. Ou la plus pourrie. Ou à voie 13. Je pense qu'on devrait le faire en perroquet pour la sécurité, mais. Donc on part plein est là, hein. Ouais. Sur Lima, on essaie de recoller sur Lima. Ouais. Essayez de suivre le mur s'il faut. Ah, mais il y a un petit mur. Oh putain. Je crois qu'il y a un technical au sud-est. Oh bordel. Technical sud-est. Armé. Défile en gauche, piète la colline qui est au sud-sud-est. Est-sud-est. Bon. Il est neutralisé. Ok. Oh putain. Donc je sorte mon viseur. Il avait combien de technicals? Okay, allez, on perd pas de temps. Yeah. Moi je continue. Ok, je repars. Quand vous avez une position un peu sécure où je peux bondir avec l'otage, dites-le moi. Mystery, tu peux sauter avec nous? J'arrive. Je passe. Personne qui couvre l'arrière là. Bah ouais, mais je vais demander à ce petit jeune de le faire. Ah, il est encore tout défoncé. Oh là! Eh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Putain, il est blessé, faut le soigner. Bah normalement, il a pas pris de balle. Ah, peut-être. Ah oui. J'aurais dû m'en occuper, putain, quel con. Ok, jambe gauche. Et la route qui est derrière nous. Je vais le tracter jusque là-bas. Ah non, il a perdu trop de sang. Bien là, t'es derrière un mur là. Ouais. Ok, à coup, tu peux venir. Ah, négatif, il est blessé, l'otage, je vais le soigner avec l'ouverture de Sparfell. Ok, bien pris, on sécurise Lima. Me planter de jambes. Ouais.
normalement, non? Alors, tac. C'est pas le cadavre de Froggy qu'on a alors, juste là. Alors, dès qu'il y a un mouvement, le tireur est mort. Je sais pas, attends. Ça y ressemble. Ok. Ouais, c'est Froggy. Il est mort? Ouais, ouais. Ok, merde. Je vais le traîner. Il est blessé, mais... Et on porte le, non? Ouais, ouais, je vais le porter. Merde, j'ai fait tracter. Hop. Tac. Voilà. Et allez, c'est parti. Je suis. Autant de morts pour un pauvre toxico. Ok, de Alpha, de la Wanné, on a un bon visuel, on a plus rien qui bougeait à part un technical sans tireur. Ok, on va partir plein sud sur Whisky, on longera la côte pour attraper les Zodiacs. Bien c'est pris, on descend. Ici, quoi. Je sais pas, ouais. Ah non, il y a une porte ici. Yo. Ok, à courir là. C'est parfait, il est derrière. Il est derrière. Il est dehors là. Je saute au bâtiment. Vas-y. Ok, je saute aussi. Bâtiment sécure. Ok, je suis derrière toi. À droite, c'est bon. À gauche, pardon. Ok, je traverse. Allez, vite fait le bâtiment. Le nord. Ouais, c'est bon. Il est clair. Par plein sud. Ouais. Ok, c'est parti. Je bouge. On a décroché Mystery. Ouais, je suis. On passe devant avec Boris. Ok. Ouais. Ah, c'est plus le flanc droit qui m'inquiète là. Ah. Il s'est réveillé. Tant mieux. Hop, c'est parti. Et bon, toi va falloir sauter, hein. Ouais. Clear. Je pense qu'on peut maintenir la formation, là. Ok. Bon, je passe en tête. Juste parti. Surveiller l'avant et la droite, et je m'occupe de la gauche. Je m'occupe de l'arrière. La droite, moi. Contact gauche, tireur technical. Oh putain, couchez-vous. Et l'otage, couche-toi. Ah, il était au 110 à peu près. Je crois pas qu'il puisse se coucher là, avec un. Ouais, bon bah je vais le laisser là. Merde. Ouais, ok, Boris, vous rampez jusqu'au bâtiment et vous essayez de le traiter depuis les couverts là-bas. On va rester sur place avec Mystery. Ok, bien reçu. Tu crois que je peux ramper en transportant le prisonnier? Tu peux essayer. Je le tiens par les chevilles. Ouais, tu sais, t'avances à la périscope. Qu'est-ce que c'est que ce civil qui avance bizarrement là? Sinon, va falloir qu'on utilise le technico là. Faire bélier avec. Non mais il va l'abattre là, Sparfel il a une M249. Ouais, c'est super Sparfel. Ce sera jamais que le 4ème ou 5ème qu'on abat de la soirée quoi. Putain, à un moment donné il y en a deux qui nous tiraient dessus. On s'est couché dans le bâtiment. Ah j'avoue que je croyais qu'il y en avait qu'un. Bah moi aussi, jusqu'à ce que le 2ème apparaisse à côté. Quand j'ai vu celui-là débarquer du... Ok, pour commandement, on se repose et on cherche une position de tir correcte. Ok, pas de soucis, on prend notre temps, on va pas merder si proche de la fin. Ça moche. On a un chargeur.
Ah, quand je l'ai vu débarquer d'uniforme le technical par le sud là. J'étais avec Drana qui est le. Voilà. Point de main, est-ce que vous pouvez éventuellement préparer un tir de suppression au moment où Sparfell ouvrira le feu? Mystery. Le technical était de quel azimut quand on l'a vu? Il était à peu près 120, mais il y avait que le tireur qui dépassait de la crête en fait. Ok, je rampe, je vous préviens quand j'ai un visuel. Mets-toi pas dans l'axe de l'eau. Ok, bien pris, il y a qui se place là. Ouais, je vais le bouger. Ouais, je vais pouvoir l'intervisé sans problème là, je serai en pied avec lunettes. Ouais. Engagé là. Ok, bah si t'as confiance, tu peux y aller. Ok, tireur et pilote neutralisé. Voilà. Ok, commandement, vous pouvez traverser. Ok, reçu, on arrive. Bien, Mystery ? Attends, déjà là, on va sécuriser l'arrivée de l'otage. Il est où, Mystery ? Et on va aller voir après, je pense. Il est en pleine traversée. Bon, tout va bien ? Ouais, c'est bon. Ok, on sécurise le reste. Parfait, je te suis. Bah, vite fait, hein, parce qu'on va décrocher. Hein. À la limite, tu peux déjà aller sur la côte, on va voir s'il y a quelque chose derrière. Bon, limite, tu... exposé... De toute façon, on sera pas exposé ouest en fait, sur la trajectoire. Ouais, donc nickel. Allez. Ok, on va direct à la côte. Ouais. Derrière là, c'est bon. Bah, c'est parti. Je suis là, je ferme la marche. Prends la tête. On a qualité d'arme pourrie. Bien placé l'enfoiré. Hein. Ils ont dû voir nos bateaux et du coup ils ont positionné des mecs pour nous empêcher de revenir. Ouais. Ils sont malins. Alors, dernière nouvelle, il y avait un bateau armé qui patrouillait sur la côte nord de l'île. On sait pas s'il a fait le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Sparfell et Boris, vous allez monter dans un Zodiac, prendre un peu le large. Et je prendrai le second avec Mystery. Alors par bateau armé, c'était un Zodiac avec des mecs à bord. Hein. Ouais. Ok, bien reçu. Ça serait pas qu'il nous ait piqué nos bateaux. Ils nous ont dégonflé, tu sais. Ok, c'est parfait, on va prendre le Zodiac explosé. Qui est soufflé si besoin, mais je pense que là c'est bon. Je te laisse conduire. Mec. Il y a une action pour pousser ou... Vas-y, monte, je vous pousse. Bon. Merde, il se barre le bateau! Bah ouais, il vaut mieux qu'il y ait un pilote! Mystery! Oui! Alpha, ça a l'air dégagé. Ok, reçu, on vous rejoint. Tu vois là devant? Ouais. Ah, dès qu'on laisse le chef faire quelque chose, c'est une catastrophe. Ah, bateau, je vais le pousser pour vous dire. J'ai voulu faire comme toi, et puis voilà, t'as vu hein? Ouais, mais moi, il était dans le bateau. Tiens, il veut faire comme Mystery. Ha ha ha.
Sauf que j'ai pas le skin nécessaire. Le skin du pousse de bateau. L'expérience. Sur la gauche, tu as reçu ?